un jour, où le temps d'un instant la vie semblait être comme suspendue, j'ai compris. J'ai compris l'importance de l'amitié. J'ai réalisé que mes amis étaient et seront toujours là pour moi. Sans eux, je ne sais pas où j'en serais actuellement. Quand je prends du recul, je me dis que je suis très chanceux d'avoir des liens forts avec eux. Je me rappelle de ce 19 avril 2022, le jour où j'ai eu cette fameuse idée de réaliser un court-métrage. La première personne à qui j'en ai parlé, c'est l'un de mes meilleurs amis, Elio. Il a immédiatement accepté son rôle et pris très très au sérieux ce projet. J'en ai ensuite parlé à plusieurs de mes autres amis et ils ont accepté aussi. Et honnêtement, il n'y a rien de mieux que de voir nos amis s'impliquer autant pour notre projet. Je pense sincèrement que nous pourrions comparer l'amitié et l'amour. Certes, ce ne sont pas les mêmes sentiments, mais ils ont un point commun. La connexion. Nous avons tous au moins déjà eu cette sensation d'être comme reliés à un ami sans savoir pourquoi. Et c'est ce que je ressens à chaque fois que je suis avec eux. Un sentiment inexplicable, qui va au-delà des mots. L'adolescence est sans doute la période la plus difficile à franchir dans une vie. On se cherche, on essaie, on revient en arrière. Alors oui, on vit cette période tous différemment, mais l'amitié est commune à nous tous. Il arrive parfois que nous pensions avoir trouvé les bonnes personnes, alors que non. Mais on se relève, on oublie et on avance. Pour finir, retenez ceci. Vos amis sont comme votre famille. Alors chérissez-les et remerciez-les de temps en temps. Cela montrera à quel point vous les aimez autant.